Hey, ¿tú me entiendes, hermano, o qué? Sí, bien. Ah, perfecto. Es bueno, me entiendes bien, ¿no? Sí, perfecto. Ah, está bien. Ah. Gracias. C'était à 100. Putain, c'est un truc de con. Ah, está bien. Perfecto. Hermanos, en attendant de hola, les hermanos. Sí, oui, oui, oui. Le pica, le cousin hola, de mon cousin, de mon cousin, hola, de mon cousin. Ouais, de la, ouais, désolé, de j'avais un petit problème là, désolé. Désolé, pas mes cousins préférés de ton cousin préféré. Exactement, c'est ça. Ça reste en escuela. Oui. Oh, oui. Oui. Hola, pica, est-ce que tu as honneur de le présenter? Oui, bien sûr, bien. Ouais, de fou. Ouais, vraiment très grand. Ouais, ouais, salut, je suis bien grand. C'est vrai que t'es très grand. Moi, il est pas le grand. Ouais, ça va changer, il y a que des petits là. C'est vrai, toi que tu as mangé trop de soupe, seigneur, c'est tout. Mais vous faites quoi là? Vous faites quoi, Javier? Ah, là, je vais te faire une présentation. Ça va, viens ici. Et présente-moi un petit peu. Alors, les dos, comment tu t'appelles? Moi, c'est Juan. Juan? Oui. Faites les présentations, seigneurs. Moi, c'est Cortés, seigneur. Cortés? La fenêtre. Cortés, tu as entendu la voix de celui qui vient de parler, seigneur? C'est bon. L'osso et les calaveras. C'est bon là, on est bien là. Oui, on est bien. Oui. Ah, parfait. Oui, on est bien. Ah si. Sorry. Vous avez entendu c'est lui qui a parlé juste avant. Ouais, je l'ai entendu. Ces gars-là, c'est les calaveras. C'est les gens qui veulent récupérer Armadillo. Ils veulent récupérer tout le Mexique, seigneur. Pas de tout, il pas... faut que tu arrêtes de fumer l'opium. Et pas de dessous tout, il a belé. Attends, moi je me mets un peu. C'est bon là, on est bon là. Mon fusil, c'est pendejo de mierda. Et c'est pas n'importe quel fusil, hein. Sans raison, pendejo. Et c'est pas n'importe quel fusil. Qui appartenait à papy, seigneur. Ah si. Si, si, que lui-même appartenait à l'autre papy. Un fusil de génération en génération. On peut dire que c'est les fusils. C'est quoi cet endroit? C'était les fusils de papi chulo, les papis préférés de la famille Escuela. Ah, si, si, seigneur. Si. Ah, on est les Escuela, nous? C'est papi ça, les gars? Et ils l'ont volé comme ça, sans ne serait-ce que demander si elle avait une histoire. Rien du tout. Ils l'ont pris comme du matériel. Ça me peine. Allez, tu vas me faire pleurer. Non, ne pleure pas, parce que moi aussi je vais pleurer. L'autre aussi va pleurer à côté. Du coup, s'il ramène pas les fusils, putain, je vais faire en sorte de bien faire. Oh, que le trou ressorte bien de l'autre côté, et jusqu'à qu'il ressorte. Entendido? Mucha bien. Un beau trou. Si, claro, mais bon. On a essayé de vous le ramener. Ramener, c'est ça. Ouais, ramener. T'as attendu qu'on t'attrape pour ramener, c'est ça. Tu aurais vraiment essayé de l'amener. Le mec, il sait même pas de quoi il parle. Dit que vous étiez passé. Le mec, il sait même pas de quoi il parle. Combien de dollars si on n'est pas passé? C'est dommage, ils sont pas là. Tous les jours, dès qu'ils nous voient, ils nous disent tout ce qui s'est passé. Donc, si vous étiez passé, on serait au courant. Eh, dis-nous la vérité, sinon on va te faire du sale. Dis-nous la vérité. Et on est passé à Armadillo hier, mais bon, après... Ouais, seigneur, pas pour la vérité, seigneur. Et le truc, c'est que peu importe ce qu'on dit, vous voulez croire ce que vous voulez, donc... La voix, va pas avec le personnage, ça, c'est... On s'est retrouvé tous les calavères en face de nous, juste avant qu'on puisse... Mais je peux parler en aigu, on est plus sur GTA. On pouvait croiser, je sais pas, même Jimmy, ils vont péter un câble. Nada, on croise les calavères. Jimmy, il est mort, seigneur. Mais même Louis, il serait un plus coincé. Comme je t'explique, c'est que n'importe qui on aurait pu croiser, mais non, on tombe pas sur quelqu'un d'autre. On tombe sur les calaveras, Dios mio. Mais tu crois que vous cherchez, seigneur? Non, je dis pas que vous cherchez. Mais moi, quand je vois des gens armés de fusils en train de regarder. Tous mes persos, ils ont des lunettes comme Kefta. Tu n'as pas compris. Refait, toi tu nous as regardé en jumelles. Vous n'avez pas bien compris, je crois. Je sais pas c'est quoi le délire là. Laisse-le venir de s'exprimer, seigneur. Non, il a tiré en l'air. Vous avez compris l'embrouille du chat ou pas? Là pour l'instant j'ai rien compris. Tu le connais, tout à l'heure ils ont fouillé. Non. Mais c'est l'hermano, pourquoi vous le tirez dessus encore? Non, il n'a pas tiré dessous. Il a tiré en l'air pour monter la position. Donc pourquoi on est comme vous, seigneur? Nous on tire en l'air, on tire pas sur les gens. Alors, comment ça, Tom? Est-ce qu'on a déjà ouvert le feu sur vous, les seigneurs? Ah, nous aussi, on n'a pas ouvert le feu, des cons, quoi. Si, tout à l'heure, on regardait de loin et vous avez fini par tirer dessous. Et à ce moment-là, on a commencé à vous faire fuir. Ouais, non, arrêtez de raconter n'importe quoi, les seigneurs.
On vous avoue, jumelles, on vous a laissé tranquille parce que vous étiez sûrement en train de faire un truc. On est parti sur les côtés et vous nous avez tiré dessus. Mais pourquoi vous êtes en haut pour essayer de voir ce qui s'est passé? Parce que mes hermanos qui sont en bout de fil, ils viennent me dire qu'il y a des gens qui... Les quatre là, on a chopé les quatre. Il y a des gens, il y a des gens en face, il y a des gens en face, attention. Oh, le seigneur. Oh, c'est normal, c'est les natifs. Je crois. C'est un nativo, c'est un nativo. Ah, il veut pas me faire. C'est pas grave, c'est les papaches, non, c'est les papaches. Ah, ils sont là. C'est des poudres. C'est une dinguerie, là. Rien compris. Ah, il y a pas encore des voix. Et alors, tout le monde est là chez les caravères. On est en paix, on est en paix, señores, on est en paix. Et on est en paix, on est en paix. On est en paix, señores, on est en paix. On est en paix, on est en paix. Vous en faites pas. Hola, señores. Allez là-bas, allez au grand chef. Allez à gauche. Bien, nous sommes en paix, si. Je suis mort en teamfight, non? Hola, señor. Plus grand, ouais. Pas venu pour le foutre la merde ou quoi que ce soit. Escúchame, señor. Oui. Yo soy Javier. Porte ton gun. J'ai même pas de gun. J'ai même pas comment on mange. Nous sommes venus simplement ici parce qu'on avait peur d'une embuscade par en bas. Ah, et si. Pour éviter qu'il y ait un rafou ou des tirs ou peu importe, on est venu dans un endroit plus neutre, un peu plus haut. Après, on a réfléchi. Mais ne vous en faites pas, on est là pour juste régler des problèmes. Et je pense que la terre des natifs est la meilleure pour régler en paix des problèmes. Ah, je pensais que vous veniez profiter des sources chaudes, oui. Non. Genre, on aurait pour. Je vous cache pas que je trempé un peu les pieds. Ah, je veux pas vous mentir, mais ça manque un peu des... ça manque un peu des poules. Ah oui. Oui, oui. Si, si, vous cachez pas que j'ai tué son grizzly et il est en agonie. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Vous êtes trop sorcière. Non, ici il était pas fier. Il disait ça pour. Parce qu'il sait que ça allait vous toucher. Il sait pas pourquoi il a dit ça d'ailleurs. Rangez bâton de feu, tout le monde. Très bien. Alors, avoir petit problème avec Calaveras alors. Oh, Dieu mio, je crois que c'est eux qui ont les problèmes avec nous, un peu trop même. Et du coup, quand tu commences à te rapprocher un peu trop des canons, bah tu finis par voir le planqué à l'intérieur. Comment on fait pour mettre le chapeau? Je vais vous laisser venir avec eux, je vois qu'il y en a déjà un au sol. On en laisse 5 minutes. Ah oui. Il y en a déjà. Ah d'ailleurs. Bah écoute, espérons qu'il en reste quelques-uns quand même en vie. Le chapeau, comment on fait? Mais non, vous en faites pas, ça sera très vite et on partira. Mais je pense qu'il avait faim, c'est pour ça qu'il est tombé. Sinon on aurait entendu des tirs. Très bien. Eh bien écoutez, faites ce que vous avez à faire. On n'a pas assez, j'en ai un normalement. Si, grâce au Seigneur. Si. Et on ira en paix loin de vos terres. Pas de problème. Je vous remercie pour votre gratitude et pour emprunter votre natif. Mucho plaisir. On est où là? Je vous remercie. Merci, gracias. Chez eux, ici, Zama. C'est intéressant en vrai. Bon, après, les gars, c'est la première fois qu'on joue. Ça a l'air intéressant en vrai. Okay. Encore un énorme quiproquo, comme d'habitude. Mais il passe, il passe. Pourquoi il est au sol? Mais il s'est pas évanoui. Il est faible. Il est faible. Il avait faim. Alors il était fondé résumé, Javier, tu vois. Il s'avère qu'apparemment, ils nous ont pas entendu là-bas. Comment les pointer de nos fusils, ils ont préféré prendre la suite des événements. Alors qu'il suffisait de nous discuter un petit peu. Et vous nous avez pointé, c'est pour ça qu'on est venu vers vous. Et vous nous trouvez au fin fond au cul du monde dans une colline dans les buissons. On comprend rien quand il parle. Alors, qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Je sais qu'il est déjà allé. On est juste à Valentine et on a croisé votre route, mais on ne savait pas qui c'était. On est revenu voir et on s'est fait braquer. Donc on s'est dit qu'on dérangeait, donc on est parti. Donc toi quand tu t'es fait braquer, tu préfères te barrer. Et tu t'étonnes pour tirer en l'air pour essayer de vous arrêter après? Mais parce qu'on n'avait pas vu que vous rapprochiez. Vous étiez en face de nous. On s'est rapproché de 10 mètres. Il y en a marre. Le procès qui a la coupe d'une connerie, j'ai mis une balle à sa cabeça. Je ne vais pas discuter avec vous longtemps. Ils se foutent clairement de notre gueule. Si, je suis d'accord avec toi. Je vais vous dire, les Tchéco. On s'est approché d'environ 10 mètres. Au moment où ça approchait, vous avez reculé.
Ah si, c'est parce que je me suis dit que vous défendez un truc, alors il y a rien. On criait très fort. Pourtant, et... si je le criais très fort. Ah, vous vous entendez pas du tout. Hein. Ah, vous entendez pas du tout. Le seul truc que j'ai entendu, Ramano, comme il vous dit, c'est que vous nous avez tiré dessus, alors je me suis dit, ben... Alors, on n'a pas tiré dessus, la poutre. Toi, je vais te dire un truc. Hein, quand on crie, quelqu'un qui est de l'autre côté de l'eau, il m'entend. Hein. De toute façon, on va dire, on a fait. Il y avait moins de discussion. Ça ne va rien du tout là. Les fils de Javier, il est où? Et on peut te le ramener. Et il est où là? Ça te va bien que la personne a un fusil dans son cabanon. Qui me l'a pris? Il est où? Pourquoi il n'est pas là? Mais Ramano, moi, je ne sais pas. Il n'est pas toujours là. Pourquoi il n'est pas là? Ok, attaquez. Je vais te demander un truc. Moi, il me manque. Je veux le voir. Ah, disons que si tu veux le voir, il faudrait que tu viennes tout tôt, un peu plus tard. Non, il est là très tard. Attends, il a dit un peu plus tôt ou un peu plus tard. C'est ça. Un peu plus tard. Alors, combien de temps il te faut pour amener une putain de fusil? Alors, combien de temps? Tout de suite. Tranquilo, tranquilo, hermanos. Je vais abattre tes hommes au bas. Je prends direct le chapeau. Mais hermano qui a fait ça. Aïe, je suis plombé banal. Et hermano, tu vois bien qu'il était pas avec nous quand on était sur le caballo. Il s'est fait plomber banal. Si, si, mais ce que j'entends te dire, c'est que chaque fois que j'essaie de parler, de savoir où il est, il n'est jamais là. Pourquoi c'est notre faute, comme je t'ai dit, il vient plus tard. Si, si, je sais que c'est pas de votre faute, t'inquiète pas, seigneur. C'est problème, c'est que là, ils ont fait en sorte de récupérer un fusil. Et cet hermano m'a fait des menaces directement pour personnellement. Pour le monde à Saint-Denis. Cet homme, ah ouais. Si je le revoyais, comme quoi j'allais lui mettre du plomb dans la tête, seigneur. Et depuis, on l'entend plus. Je ne sais même plus où il est. El plomo de la cabeza. Comme on te dit, Javier, il est souvent là plus tard. Qu'est-ce que tu vois pour ton peuple? Qu'est-ce que tu vois pour les tiens? Hein? Pour les canavères? C'est quoi l'avenir de ton peuple? Mon peuple, c'est la richesse des gringos. C'est ça l'avenir de mon peuple. Peu importe, les bandidos qui traînent avec toi, qui ont confiance en toi, qui écoutent que ta voix. C'est quoi la suite? Toi, dis-moi. Ta famille, c'est de ma famille. Si, si, toute ta famille, les calaveras. Hein? Tu voudrais la paix? Tu voudrais trouver peut-être un nouveau Mexique demain? Hein? Ou tu voudrais finir que tout le monde se fasse zigouiller autour de toi? C'est quoi ton projet? Bien sûr que la paix pour mes hermanos, et je les défendre jusqu'à la fin. Alors, ramène-moi la puta de la tête! Des hijos de puta qui m'a pris mon fusil. J'ai un couteau? Et je te laisserai la paix, on laissera la paix à tous les calaveras. À partir de là, on fera en sorte de faire table rase de la suite. Tu comprends que je peux pas livrer une de mes hermanos. Ok, pour une excuse, j'abats l'autre. Encore une fois, vas-y, excuse, encore, j'attends. Oui, est-ce que tu nous le livres? Est-ce que tu livrerais un de tes hermanos? C'est un hermano contre un autre, réfléchis un peu. Si, il y en a un qui a foutu la merde, je te le livre les pieds et les genoux liés. Je serai capable. Tu me connais pas, je suis un bandit, j'en ai rien à foutre. Comme mon inventaire. De je ne sais quoi ou de ce que tu crois dans ta tête. La loyauté, c'est dans le corps, pas dans le corps. S'il fait de la merde, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Là, il va détruire toute la famille, à todos. Vous allez tous. OMG, j'ai un couteau. Tiens, le Cortez. Je te répète une fois la question, est-ce que ce soir, tu vas ramener ton bras droit et le fusil de Javier? Si, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour le ramener, si. Ah si, mucho bien. Toi, ton refait va te sauver la vie. De la cabeza. C'est important. Je te laisse une heure. Une heure. Ah, une heure, ça va pas être possible, seigneur. Non, ok, tu recommences les excuses. Mais c'est pas une excuse, tu veux pas comprendre. Non, tu fais en sorte de ramener en honneur le fusil, hein? Et si tu veux la paix, à chaque fois qu'on va te recroiser, tu ramènes ton hermano. Pense à ton peuple, ou pense à finir tous ensemble, comme des bandidos. Et après, si ce soir c'est pas possible pour le hermano, vous pouvez vous ramener l'hermano. Comment on les reconnaît, les mecs de chez eux? Fais en sorte de faire la paix, ils sont et de penser au nouveau Mexique. Tu sais ce qu'il se passe actuellement? Ah si. C'est que les gringos font ça. Putain, il ressemble à Snake, celui-là, là, non? Le peuple mexicain peut être puissant. Alors, c'est soit tu ranges parmi les puissants,
Soit tu restes garé parmi les faibles et tu continueras à parler avec les gringos, qui sait. Hola, señor. C'est ce qu'on a été parti faire la première fois qu'on s'est rencontrés, señor. Et ouais! Non, lo sabes, tu avais un. Tu l'as approché, approché. Il est trop ouvert, señor. Approché, approché. Il est très bien que ça foutu la mierda. Si. C'est des mecs de chez eux, ça? Perfecto. Non, il manque encore des hommes. Mais t'es avec eux, mais c'est où avec eux là-bas? Moi, je veux qu'il y ait une démocratie, señor. Et la démocratie, c'est chez vous. Du coup, c'est à vous de choisir, señor. Les gars, je connais rien, je connais personne, j'ai pas trop envie d'ouvrir ma gueule pour rien. Pas l'effort, hein. Pas niquer le RP des autres, tu vois. Du coup, on observe, les gars. Le peuple, là, du coup. On observe bien aujourd'hui. Il manque le pas intelligent. Il manque d'autres encore, mais... Non, par là, il y en a beaucoup, mais il y a l'homme qu'il faut. Bien. Mais Armando, tu sais qu'on est une grande famille. Ah, si, grande famille. Donc, tu sais, c'est un peu difficile d'être tous deux là, de temps en temps. Si. Bien, entendido, bien, le cadavre. Je pense que les choses ont été dites. Un or pour mon fusil. On a un point de rendez-vous et on va se rejoindre. Armadillo. Armadillo, señor. Tu connais le point de rendez-vous? On attendra là-bas. Está bien. On veut le fusil. Está bien. Et Cortez, pas dans les buissons cette fois-ci, Armadillo. Non, je te donne la parole. J'ai rien compris. Hein. Je crois qu'il a eu de travers. Il y avait le touet, hein. Il y avait le touet, celui-là. Pourquoi? Il y a envie de le touet, là. Pancho, calma, il va la manière à fusil. T'inquiète pas. Calmate. Les fusils de Papichulo. Ah si. Prends-en pour ton charisme. Du coup, n'oublie pas pour les fusils. Et on vous laisse encore une lune ou deux. Si on voit qu'on n'a pas de messages concernant ces derniers, ça veut dire que c'est une ouverture de guerre. Et là, les hermanos, on vous rattrape pas. Vous avez une bande. Nous, on a une ville. N'oubliez jamais ça dans vos cabezas, señores. Entendido? Si. Eh bien, Pancho, t'as un truc à rajouter. Il y avait le tout, Il ramène le fusil dans un ordre. Laisse l'air le temps, señor. Je crois que le chef peut avoir un cerveau, une cabeza pour la faire tourner et réfléchir à l'avenir de son peuple. Ou de ses bandits, ou peu importe comment il les appelle. Le fusil dans un ordre est... C'est dans le jeu qu'on doit prendre un... Jure Dans le jeu, mais non. Si, bien. Soy. C'est bien, alors. Está bien. Allez, cassez-vous. Essayez pas de faire un coup bizarre, je vous préviens. On vient de cavaler une heure pour une phrase. Alors, non. Honores. C'est quoi cette voix? Je refais Mouldi. Et vous commencez de partir, une heure ça passe vite, hein? Si? Ah, hasta luego. Il est tout, Ils vont la rendre. On fait la banque de Valentine. Un or pour rien. La banque. On fait la banque de Valentine ou pas, Pancho? Pourquoi t'as un poney, toi? C'est pas un poney, c'est moi qui fais 3 mètres. Pour tous, c'est live la famille. Ouais, c'est vrai. Soy. Dígale Valentine, vamos. Valentine, vamos. Ay, ay, ay. Dale. ¡Vamos! Oh, mais c'est eux qui t'ont volé une arme. Si, parce que tu sais pourquoi ils nous ont volé l'arme? Pourquoi? Parce que la radio, on vous aime pas. C'est bon. Ça va aller? Bien, doucement, señores. On n'est pas des natifs, señores. Vamos, doucement. C'est ça? Aïe, aïe, aïe. Trop beau ce jeu. Il a l'impression de m'être trouvé dans le cul de la mer à Pancho. Il te faut un Norfolk ou un Breton comme cheval. Le Breton, je me rappelle, c'était un bon cheval. Hermanos!
¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Oh, hermanos! ¡Ardemu! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Qué pasa? Soy, 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 soy. ¿Qué pasa? Por el plan, ¿vous voulez faire la banque? Sí. ¿Está ça? Sí, sí. Sí, soy. What the fuck? On va mettre en place le plan de notre problemas. Hein? Les démons mexicains qui va commencer à entamer quelque chose pour faire en sorte de réunir toute la ville devant la banque. Une fois que tout le monde est charmé par la musique d'Armadillo, à ce moment-là, Torpedo, on attendra Pancho nous donne l'ordre de sortir les armes. Non mais ils vont jamais nous écouter, ils aiment pas les Mexicains là-bas dans tous les cas. Si, mais il a un certain charme, signor. La musique met tout le monde d'accord. Ils te voient en version arabe. Ouais, de ouf. Ouais, les salons. Si, au salon. Exactement. Il y a un anniversaire, non, salon. Si, il y a un anniversaire, señor. Eso, y vamos, vamos. Tu es prêt, Quetzal? Non, il est pas prêt. J'en ai rien à foutre que tu sois prêt. T'as fallu être prêt depuis la naissance. Ah si, mais... Mais moi, je suis mort, les gars, non? Les gars, pendant les teamfights, on est d'accord. Commence à chauffer ta voix. Je suis fini pendant les teamfights. Il est trop grand, mon perso. J'aurais dû faire un nain. J'aurais dû faire un nain, Guy. Du coup, on va attaquer la banque de Valentine. On a besoin de quelques pesos. On a repris la ville ouais, des... Mais... Ouais, mais il y a un truc. Il y a un truc que j'ai pas compris, là. T'as parlé de ramener d'autres chicanos à Valentine. Oui, mais il n'y en a pas. Non, 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 non. On va faire en sorte de réunir tous les peuples et les civils de Valentine. Et plus on a des personnages, plus on peut braquer des personnages. Tu comprends? On va tous les mettre dans la même zone. Et lui va commencer à chanter. Et le modon, tu as une arme ou pas? Après, non, tu n'as pas encore d'arme. J'ai un couteau, j'ai un couteau. Bien, bien. Quand il dira Torpedo, c'est à ce moment-là où tu le sortiras. Bien. Torpedo. Reste bien concentré. Torpedo. Si, Torpedo. Ok. D'abord, on va rentrer, on va faire que semblant qu'il va chanter une musique, d'accord? Ouais, et vous, vous êtes basé où, vous? Armadillo, Armadillo. Ok, ok. On est Armadillo et on essaie de récupérer tout le New West. Dire... Comme papy nous avait dit. C'est parfait. Tu restes concentré sur la musique. Quand tu entends le torpedo, c'est à ce moment-là où il faut sentir les armes. Bien. Ok, ok. Bien. Concentré, torpedo, l'arme est sortie, prêt à mettre des coups de couteau. Exactement, seigneur. Je suis mort. Non, 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 tu m'as pas le coup de couteau, sinon c'est de la valeur au moins. Je ne sens pas cette poudre. Ouais, si tu sens des choses bizarres, tu mets des coups de couteau. Non, moi non plus. Ils vont venir attaquer la base. Non, mais s'ils viennent, ils se mangeront encore de plomb. S'ils viennent avec des mauvaises intentions, seigneur. Je pense qu'ils vont donner le fusil, mais par contre, pour leur hermano... Il y a des chéris, non? C'est pas grave, on en trouvera nous-mêmes. Oui. Il y a forcément des chéris. Non, on lui laisse quoi, 72 heures, c'est ça? Mais là, c'est pas Valentine, ici, c'est... Deux heures, on laisse des heures. C'est pas Valentine, ici. Des heures. Toi, dis deux jours. Mais non, pas deux heures, c'est pas possible. Je reconnais même pas. Il est pas là, ah ouais, là, je reconnais, ok. Et c'est en train de dormir. Y'a personne. Eh, mais va dans le salon. Ils sont pas tous dans le salon en train de. Il est où l'anniversaire? Eh, on va venir dans le salon. Hola, señores! Hola! Hola, señor! Hola, hola! Hola, hola! Hola, une petite chanson. Hola, señores! Ils sont pas. Ils sont très soif. Ils sont tous au salon, hein? C'est des PNJ ou c'est des joueurs ça? Il y a du monde avec lui. C'est des PNJ. Ah, ils sont allés courir. Ils sont allés courir. Ouais, je suis à cette case, oh, comme gars. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Hey, hola, hola. Como estas? Si, hola. Pourquoi ça se voit? Il y a pas de... Oh, bandidoc. Bandidoc, vous êtes une multitude. Oh, bandidoc. Hola, señor. Hola, señor. Je comprends pas ce que vous dites. Vous avez dit quoi? Comment je me lève? Ouais, bonjour à toi, shérif, comme tu dis. Ah, bonjour à vous, oui. Vous êtes les shérifs, seigneur? Ouais, shérif adjoint. Bien, on avait entendu qu'il y avait une personne qui allait fêter son anniversaire. On s'est dit, pourquoi pas faire un cadeau de notre part? Ah, si! C'est moi, c'est le jour de mon anniversaire. Mais du coup, il y a d'autres personnes avec toi? Pourquoi tu pouvais tout seul?
Oui, oui, je suis tout seul actuellement ici. On vous explique qui on est. Nous sommes une délégation festive d'Armadio. On a été engagé par une personne de Valentin pour faire une représentation ici. On a besoin de public, vous voyez. Ramenez un peu toute la ville ici pour la présentation. À la fin, 50 cents. Pas trop bébé, je suis ramené du monde. Bonsoir, monsieur Dan. Il va accorder le piano. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il va accorder le piano aussi. Mais pourquoi il s'assoit? Hola, señores. Sí, hola, hola a todos. Comment allez-vous, monsieur Dan? Allez-vous bien? Sí, bien, et vous, señor? Ça va super, je vous remercie. J'espère que vous allez passer une merveilleuse soirée parce qu'on va faire une trop. Chanson, señor. Dio mio. Hey, bah, et je vais me coucher. Bah, écoutez. Il est en train d'accorder le piano. Regardez le piano là-bas, il est en train de. Le piano qu'il a accordé, je ne ferai qu'assurer le service de whisky si vous le souhaitez, monsieur. Entendido, oui, bien sûr. C'est pour tous. Oui, oui, oui. C'est quoi ce délire, ouais. On attend juste qu'il y a pas mal de monde parce que sinon ça va être compliqué de faire rentrer quelques petits cents dans la poche. Quoi, je me rapproche d'un truc et ça coûte tout seul. Il est où le chéri? Il y a toute la ville qui est là, il y a 13 personnes, c'est ça. Oui, je suis là. Il fait tout seul. Il y a ce gringo ici. Ah, je pense que c'est la molette. Prenez place, prenez place. Prenez la molette. Et c'est quoi vos petits cadeaux là? Vous avez quelque chose? Putain, c'est la molette. Une musica. Une musica, señor. Je vais vous interpréter un air très festif. Moi, je parle toujours avec la molette, moi, frère. Oh, bah, ça, c'est formidable. Putain, je suis pas vu ça. Je sais pas, c'est pour mon anniversaire. Il va chanter une petite chanson. Si, señor. Si, vous êtes bien accroché à vous. Bien vu, HMG, mon gars. Si, venez, 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 entrez, entrez. Entrada. Hola. Buenas tardes. Hola, señora. Señora. Je vais bonsoir. Bonsoir. Ça vous dérange pas? Toi, quand est-ce que vous profitez du spectacle? Mettez-vous à l'aise. Le piano est bon. Ravier, tu m'as dit que je peux commencer, si. Deux minutes, je ne sais pas s'il y a des personnes qui attendent dehors. C'est bon, c'est bien. Il peut commencer pour. C'est quoi le nom pour l'anniversaire, señor? Arte. Si, Arte. C'est quoi Arte? Arte. Ah, c'est bon, je change de voix pour parler. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va fêter l'anniversaire des Art. Vous savez, ça m'a donné envie de refaire le mode histoire, je vous jure. C'est trop bien le mode histoire. Aïe, aïe, vamos. C'est parti! Seigneur! Calmez-vous! Ah! Si, mais. Ah, mais. Aouh! J'ai avec toi, moi! Voilà, seigneur! C'est à tir de partout, c'est des fans! Oh mon dieu, Está bien, señor, está bien. Il s'est passé quoi? Ben, le mot de passe, torpedo. Non, je l'ai entendu, torpedo, je l'ai entendu. Non, je le savais, mais j'ai pas d'armes, moi. Je sais pas comment on sort les armes, moi. C'était la fête d'anniversaire, il y a quelqu'un qui veut souffler sur la bougie, señor. Je sais pas comment on sort l'arme. Ah, c'était comme ça. C'est qui? C'est toi qui dois souffler? Oui, c'est ça, c'est moi. Bien, perfecto. Alors tu vas souffler dans celle de la banque pour faire en sorte d'ouvrir les coffres et de faire en sorte de nous remplir les poches. Allez, tout le monde dans la banque. Tout le monde dans la banque. Allez, vamos, ça va. Toi aussi, les gars, tout est dans la banque. Oui. Je crois que je vais refaire la voix de Mulji, en vrai. Et ça tombe bien, c'est l'anniversaire, il faut c'est trop dur de tenir cette voix là. Si, cette voix, elle est trop dure à tenir. C'est trop dur à tenir. Sur des longues phrases et tout, c'est trop dur. Alors, où est le banquier de Valentine? Ah bah. Allez, je vous montre-nous. Toutes les personnes minos sont mal. Montre-nous le gâteau, señor. Et il est beau celui-là, ouais. Et lui, il a la clé ou pas, loin. Il y a plein de caballos qui viennent. Gardez bien la porte, on sait jamais, señores. Si, on la porte. On est de la porte. Elle est où la porte? Ah, le bon petit coup. Va lui mettre la pression, PK. Vas-y, vamos. Va lui mettre la pression. Ouais, bien sûr. Il est où?
Il est trop petit. Je le vois pas, il est trop petit, je le vois pas. Ouvre la porte, hijo de puta, ouvre la porte. Voilà, c'est bon, c'est bon, pica. Comprends bien ce que tu dis, ouais, j'ouvris. Et tu comprends bien ce que je vais dire, tu vas voir quand on... T'auras le couteau dans la gorge, tu vas voir si tu vas comprendre. Non, c'est bon, mais moi je suis... Allez, ouvre. Ouvre, ah, d'accord. Non, la porte derrière, là, par qui? Eh, tu me vois comme ça, mais je te jure, je suis un grand dangereux, hein. Aouh. Seigneur, tu ouvres pas la porte par derrière. Bah, c'est où que je dois y aller? Moi, je sais pas. C'est où qu'il doit ouvrir? Eh, c'est à gauche. Eh, je vous donne en plus. Eh, referme cette porte. Referme-la. Vous êtes complètement malade. Seigneur, tu refermes la porte. Eh, referme la porte. Referme la porte. Je refirme, c'est bon, je refirme. Et maintenant, on va aller dans la pièce. Ah mon dieu, je ne sais pas. Le coffre. Ah, il est grand. Il est là, il est là, il est acquis, le coffre. En plus, tu nous prends pour des cons, en plus, hein. Tu me prends pour un con, hein. Mais non, je vous prends pas pour des cons, vous avez chanté pour moi. Ouvre la porte, ouvre la porte. Il est pas de m'énerver, sérieusement. Ori, va rester à l'intérieur avec nous, seigneur. Allez, prenez tout ce que vous pouvez. Il voit rien, mais de ouf. On peut pas changer la taille du perso? Je regarde un poquito par qui. Je demande si je peux changer la taille du perso. Il est trop grand, on voit rien. Je vais me situer, je vais plus être girif, pas bordel de merde. Ça n'est pas mon problème. C'est trop tard. Ça va, il a un jour le perso, je le refais, personne n'y voit rien. Je préfère que tu l'as fait à moi. Tu sais pourquoi? Oh, parce que le grand et pequeño qui est juste derrière toi, celui-là, il est un peu énervé. Je suis grave énervé en ce moment, je vais pas te mentir. Tu l'as jamais vu, énervé, seigneur, si tu le vois vraiment énervé, risque de te torcher la tête, seigneur. Je suis calme, je te jure que ta tête, elle va se retrouver contre le bureau avec le couteau sur la gorge. Tu sais ce qu'il a déjà fait? Il a donné du lait de chèvre à une chèvre. T'en penses quoi de ça, hein? Oh, c'est vrai que ça, si. Moi, en tant que Charlie, ça c'est vraiment. Toi, Charlie. Ah oui, seigneur. Il l'a rendue fou. Elle est devenue fou. Elle s'est dit, elle boit sa propre pisse. Javier. Si, il faut une cote. Oh, bon, non, si, bon, je suis ma croupie qui arrive, oui. Ah, il y a croupie. Il a vidé? Il faut une cote, apparemment. Code. C'est quoi la cote là-bas? C'est quoi le code? Bon, je sais pas, moi, je connais rien de tout ça. Moi, je connais pas les codes. Les codes de là-bas. C'est quoi les codes de là-bas? Attendez, je vais regarder. Si, tu vas regarder bien. Fais en sorte qu'il regarde bien, ce pendejo. Tout le monde passe une bonne soirée. Oh, bon, là, je connais pas le code. Où est sourd, seigneur? Tu nous prends pour des cons, c'est ça? Non, je connais vraiment pas le code. Écoute-moi. Si tu nous ramènes pas le code dans les deux minutes qui suivent, je te jure que tu vas mourir, c'est bon. Mais écoutez, moi je pensais que c'était un anniversaire, mais moi je connais rien de tout ça. Tu vas vraiment risquer ta vie pour ce qu'il y a dans ce coffre, vraiment. Mais non, mais je connais pas le code, j'ai pas envie de risquer ma vie pour ça, pour l'argent et tout ça, et même si j'ai battu, je suis pas destiné. Ouais, seigneur, mais non, je crois, il se fout de notre gueule, hein. Mais non, je me fous pas de vous, je vous reste bien qui. C'est pas ça quelque chose. Il est trop grand. Il pense à quelque chose. Tu es sûr que le vieux. Tu vois le vieux. Il connaît pas le code, lui. Bon, ça, je sais pas, faut demander. Moi, je vous le dis franchement, plus profond de moi. Mais mon plus profond de mon état d'esprit, pour moi, et tout ça, il te voit la pipe des protestants et. Ah non, je connais pas le code. Si, tu vas rester avec moi, hermano, par qui? Je vais aller chercher l'autre. Je reviens. Bouge pas. Non, je bouge pas. Allez, va t'asseoir. J'ai pas envie d'avoir un coup de soleil, gars, j'ai pas envie de mourir. Va t'asseoir. Eh, je t'ai dit quoi? Viens devant moi. C'est quoi ton nom? Art. Art Party, dis. Tu sais, Art, je vais te dire un truc. On est là que pour la plata qu'il y a dedans. On en a rien à foutre du reste. Ah si? Ok? Ah, vous voulez pas ma tête, c'est ça? On veut pas ta tête, on en a rien à foutre. Ah si, seigneur, mais si tu donnes pas la plata, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous ouvrir ce coffre, parce que je te jure que sinon tu ressors pas d'ici. Vivant.
Apportez une liste, s'il vous plaît. Bon, mais moi, j'ai pas le code. Vraiment, j'ai pas le code. Je sais pas. Moi, j'ai pas tout ça. Vraiment, vraiment, j'ai pas ça. Moi, j'ai envie d'être là et aider, comment dire, Valentin. Bon, j'ai plus rien, Manoï. J'ai besoin de plus d'âge. On fait comment risque... Bah, je sais pas, moi. Du coup, on va se faire enculer, c'est ça? On prend l'argent pour nous, on va se faire enculer, c'est ça? Bon, j'ai. Dans ma banque, et dans ma... j'ai 15 dollars. Ramène les 15 dollars. Le crevard ultime. Mais attends, mais il s'est barré là. Rien du tout. Mais il s'est barré là ou... Attends, quoi? Non, il est derrière. Il s'est barré. Et on a tout récupéré, il n'y avait rien du tout. Comme ça, tu vas pas le code? La puta madre! Oh mon dieu! Ah, mais c'est le salonnier, voyons voir! Il faut le code, seigneur, il faut le code! Pourquoi ils n'ont pas de code? Toi, moi, j'ai besoin de code! Toi, le code du code! Ah non, il m'a pas donné le code, il l'avait pas! Il n'avait pas? Il t'a pas dit qu'il l'avait? Tu l'as pas posé? Il m'a dit qu'il avait pas le code! Il m'a dit, j'ai pas le code, j'ai pas le code! Mais s'il a pas le code, il y a peut-être quelqu'un qui connaît le code! Viens, seigneur Arf! Oui, allons-y. J'ai des cas sous l'or, j'ai des cas sous l'or. Ok. Signora, non, c'est bon. Toi, okay. tout seul. Vous parlez avec moi, messieurs? Ça marche comment, le code? Non, on peut pas l'ouvrir, non? Excusez-moi, le coffre est par où? Et par là? Oh. Où est-il, ce coffre? Voyons voir. Et par qui? Je vais essayer de voir. Moi, je pense que toi, le code, ici. Moi, tu nous fais marcher. Je n'ai pas le code. Voyons voir. Ouais, sûr, seigneur, mais je pense vraiment qu'ils nous prennent pour des cons, là, c'est grave. Je vous jure que je ne l'ai pas. Je ne ferai qu'essayer ma date de naissance. Oui, c'est exact. Peut-être que monsieur le banquier a le même âge que moi. Et peut-être qu'il a mis cette date de naissance. Oui, cela est possible et fortement possible. Voyons voir. Attendez, j'essaye. Non, cela ne marche pas. Malheureusement, je n'ai pas le code. Je ne peux vraiment pas vous aider, mes chers messieurs. Je pense désolé qu'on va commencer à exécuter quelques otages. Oui, mais ne commencez pas par moi, s'il vous plaît. Hermano, je crois qu'ils se foutent vraiment de notre gueule, tous. Si, je pense aussi. Ça veut dire que personne n'a le code. Et qui c'est ce putain de banquier, par qui? Le banquier, c'est aussi le maire adjoint de Valentin. J'ai les 15 dollars. Et à vrai dire, aujourd'hui je ne l'ai pas vu du tout. Bien. Et pour vous dire une chose, je pense que je ne l'ai pas vu du tout. Écoute-moi, le petit nain là, tu vois, je mets ma tataille. Oui. Et regarde. Attends, oui. Attends, je vais parler doucement. Oh, petit nain, viens voir. Oui, je suis là, mais regarde. Et regarde. Tu ramènes le code et on se partage la somme en deux, c'est bon ou pas? Mais j'ai vraiment pas le code, je connais pas le code ici. Écoute-moi, on se partage la somme en deux, tranquille. Oh, reviens là, toi, c'est le cachet universel. Ouais, ouais. Oh, bon, c'est oh. Ah, je peux même pas utiliser. Comment il s'appelle ce doigt-là, là, le petit? Il s'appelle comment? On y sent. Je vais vous demander de laisser la bon, allez, de l'argent pour faire un celui qui a ouvert toutes les portes. L'auriculaire. Pas la clé du coffre. À la gare. Je deviens ainsi tout de suite. Ah, je suis trop fort. Le pouce. Demande les deux. Non, j'ai des clés de là, mais j'ai pas les clés du coffre. J'ai pas le code. Merde. On a pas le code. Il faut le code. Bordel de merde. Moi, j'ai pas de cheval. Tout siffle bien, Pika. Tu as vu ça ou quoi? Mais ça, c'est encore un cheval de merde qui veut pas venir, ça, je connais. Je crois, j'ai pas de cheval en fait. Ah, bah, c'est pas ça. Attends, il y a des collègues. T'as acheté une moule ou une vieille calme, toi? Ouais, je crois, j'ai pas de cheval de merde. Je sais pas si elle va tenir avec moi, la moule. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais si, il y a bien. Ça se voit que tu connais pas Christos encore.
Non, c'est quelqu'un qui est très gros, il a une toute petite boule. Et alors, Grosco, Cristo, qui est? Ah, il est pêcheur, il travaille dans le mer, de quoi? De qui c'est, Seigneur Cristo? Christos. 10 dollars. Tu le connais pas? Tu connais pas Christos? Llamez-vous, llamez-vous. C'est le petit gros, là. Il a une petite moule, apparemment. Llamez-vous. Tout l'a vu, Christos. Ah non, llamez-vous. 11 dollars. Il m'a trouvé pas. Petit chevet de feu. 11 d'accord. 11 et c'est pas quand est-ce qu'il va se lever, mais une fois qu'il libère, tellement qu'il mange. Ah, on a des Mika, têtes. On ouais, dis-moi, tu apprécies la chanson d'Armadillo? Ouais, la quoi? La chanson d'Armadillo que j'ai chanté. Ouais, elle était pas mal la chanson. C'était incroyable la chanson. C'est nous à la fin là. Torpedo, torpedo. C'est le nom des codes pour Blackies. Bah ouais, j'ai compris. Il y en a un qui est libre, mais là on n'a pas d'argent, on n'a rien. Ah, Pika, il y avait certainement de donner mon fusil, car il doit partir. Moi j'ai un couteau. Il y avait certainement de donner ton fusil, il avait demandé à Pacho aussi. Une information importante à ton hermano derrière toi. Il m'a promis qu'il allait laisser la bouffe et sauf. Donc je vous donne un dollar. Demandez-lui. Voilà, messieurs, j'ai fait le télégramme. Perfecto. T'appelles Telegram. Est-ce que tu vas manger dans ton salon? Ramène-nous à manger dans ton salon. Est-ce que tu vas manger? Il me reste que trois plats, que trois plats préparés, monsieur. Et donc, ramène-moi dans un salon. Oui, y a pas de souci. Je vais mourir. Je suis vraiment trop grand en fait. Ah si, toi, c'est mucha grande. Ouais, t'es très grand. Moi, je parle de grand en plus. Hein? Toi, je vais te donner ça. Moi, j'ai peur. Merci. Avec plaisir. Et les anniversaires, encore une fois, c'est vrai qu'on est arrivé un peu trop tard. Gustavo. Et voilà. C'est Dime. Je te donne mon fusil? Non, garde-le. Ah si, non, il a besoin de le donner car il avait tellement. Le donne-le à Pika. Pika, il avait donné mon gros fusil. Oh, ouais, bien sûr. Ah, il peut pas le garder et dormir. Oh, c'est un vrai fusil en plus. Tu vas dormir, Si, il avait demandé, il y a mal à la cabeça aussi. Ah, si. Essaye de les désarmer, de les réarmer pour pouvoir les charger. Ça arrive aussi. Ah, oui, il n'y a pas de munitions. Si, désarme-le. Non. C'est ça casse les balles. Putain, je vais les donner. Tiens. C'est moi. Ah, moi j'ai des munitions bon. De pistolet et munitions ils m'ont lancé, ils m'ont laissé, Art, éloignons-nous. Oh là les Apaches. Oh là les Apaches. Maintenant je me fais kidnapper par les Apaches. Allez, c'est parti. Pour un autre tour. Barre-toi d'ici, Gérard. Allez, j'ai passé la soirée à me faire kidnapper. C'est bon, t'as lui assis à mettre tes balles. J'en ai marre de l'entendre. Où tu veux, guérisseur. C'est à vous le cheval. Utilisez tes balles. Il est là-bas. Ah, c'est ce que j'ai fait, mais je les ai plus. Ah oui, d'accord. T'es une loulette normalement. Et, mais qu'est-ce qui se passe, père? Peut-être avec ton fusil, sur les tu peux choisir tes balles que tu mets. Ah, ok. D'ailleurs, comme c'est des hautes vélocités, c'est pour le sang. Ah, hein. Perfecto! C'est des balles qui font très mal, ceux-là. Incroyable! Re tout le monde, refais-toi un perso. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas se refaire un perso, si ? Mais non, oui, pas grave. On va trouver le fusil. Là, au moins, vous aurez une raison, seigneurs. Bon, très bien. Mais c'est la personne que vous avez relâchée, peut-être barbare. Les shérifs font l'autre. Mais les putains de gringo, nous sommes tous des sauvages. Oh, les gars, on a de la compagnie. Oh. Sur la gauche, là. C'est des papaches. Ah, c'est des apaches, c'est pas grave. Ils sont tranquilles. C'est ce qu'on a croisé quand on était avec les calaveras. Pourquoi ils nous surveillent comme ça? Parce qu'on est pas loin de leur terre. Oui, le terrain, il est partout. Ouais, les massifs, ils aiment bien tout contrôler. Les banquiers, ça nous sert à rien. Il fait 2m20, je sais pas, il fait 1m combien. Vous pensez, il fait 1m combien, mon perso? On a pas de ton père. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, quoi, trop bien d'avoir le fusil.
Voyons, ouais, Algado, ils sont là, les Machu Picchu. Al-Ghouli. Machu Picchu Ben. Al-Ghouli. Salut, salut, les Ghouli. Comment ça va, les Chichons? Les bien, vous, les Ghouli. Non, bah, nous, ça ira très... mieux quand on... Oui, il n'a rien à voir par rapport aux autres témas, ouais. C'est vous, les Machu Picchu? Ah, j'ai abusé. On est dans le lâcher. Yo. Allez, oh. Hey. Passe-moi ici. Ah ouais! Ah ouais! La vida, señor, dire! Je leur ai dit que s'il y en avait un des deux qui restait en vie, il peut sortir. Merci, Loas! On finit, on le goûte. Voilà! Pika, Pika! Pika, viens voir dehors, il y a des gens qui veulent te parler. Ah ouais? Macho, macho, bed. Tu vas me dire si tu comprends ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu fais encore là, vieux con? Et puis, Gigi! Les gouris! Parlez aux grands là! Ouais les gars, vous allez bien? Ah oui, oui. Ouais, vous voulez quoi là? Là c'est un peu spécial, on passe pas de là. Hein? Ah c'est des goulougis, des goulis. Comprends-toi. Ça va, oui. Va faire votre truc, on passe plus tard. On les appelle les kibris. Kibri, kibri, kibri. Partez s'il vous plaît, partez. Allez partez les kibris là. Oui, oui, il en a de la poigne. Allez. Bah ils ont pas voulu parler, dommage. Je comprends rien. Mais ils sont intéressants. Moi non plus je comprends rien, du coup j'aime pas le jeu avec Jibouin. Ça c'est lui qui devrait mourir. On fait quoi là-dedans là? Ah y'a une bagarre, y'a une bagarre. Oh y'a une bagarre. Ouais ouais ouais. Incroyable. La signorita est en train de... Elle est pas finie la bagarre. Démonter. Elle est en train de démonter. Oh waouh. Oh. Il a pas honte de frapper une chica comme ça. Voilà. Oh il se bat pour sa vie, oh, oh là 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 on... Qui va gagner? Qui va gagner le chat? Qui va gagner? La meuf elle le défonce quand même là. La meuf elle le défonce quand même. Mets-le un coup de tête. Est-ce que j'aime voir des gringos? Mets-le un coup de tête. Voilà. Ok, la meuf elle l'éclate. Il a la tête dure. Il a clashé ses chicots. Je crois qu'ils sont à bout de force là. Déontez-les bien. J'ai trop envie de tirer. Adieu, ish. Assez. Oh, oh. Je mets une balle dans le mec. Assez. Oh le là. Bravo. Oh là, oh là, señorita. Prends des notes, te pica. On va faire un certain des... Ouais. Les respecter. Si vous pouvez y aller, madame. Vous avez gagné votre liberté. Vous avez gagné. Donne-lui son manteau. Donne-lui son manteau. Mettez-lui carrément son manteau. Il est là, il est là. Si. Raccompagnez-la, là. Si. Bon, donnez-moi du bravo, madame. Merci. Il y a quoi, là? Comment j'enlève ça, là? Vous l'avez éclaté la gueule. Mais pourquoi il refait une animation à chaque fois? Il est là le mec qui nous a aidé tout à l'heure ou pas? Pourquoi ça fait ça encore? Faut que je fasse 1, arrête, ah stop, émote. Où est le signor? Je suis chaud hein. Comment vous allez les dingos de merde? Allez, t'es bien, on va pas s'entendre. Pardon, je t'entends pas. Bon braquage de banque à vous, les Mexicains de merde. T'es des gringos de merde. Pas de shérif, hein. C'est Valentin, c'est pourquoi je t'entends pas bien. Ah, y'a pas de shérif. Oh, ils doivent être dans le coin, non? Ils sont dans le coin, putain. Allons-y, les gars, on cherche les Del Lobo, putain, on a dit. Ah, bah là, on est bien là. Ah, là, il n'y a pas de Del Lobo, seigneur. Vous êtes trompé d'adresse? Ah, bah voilà. Ah, d'accord. C'est qui ces trous du cul? C'est des chérifs de Blackwater. Dépêchez-vous. C'est qui ces trous du cul qui nous insulte? Je vais lui donner. Les chérifs de Blackwater. C'est le shérif. Tenez, $10, voilà pour vous. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Francisco. Ah, j'ai mal à la tête. À l'aise. Pas là, pas là. À l'aise. Ouais, toujours debout. Attendez, il y en avait pas sur le cheval là, il y a 2 secondes. C'est, mais ils sont allés pisser au salon. Ça la reprend, c'est raciste de merde. Ça, c'est des shérifs de Blackwater. Ah ouais? Et c'est des nerveux, genre? Si, si, ils aiment pas, ils aiment pas les Mexicains. Ah, c'est pas que c'est des nerveux, c'est que c'est des vrais cowboys. Ah ouais, ok. Blackwater, c'est où Blackwater déjà?
On va attendre tout le monde et du coup on y va. Ah, c'est là Blackwater. Bon, la pêche a été maigre. Blackwater, c'est ici dans le mode juste. Dans le. Dans le 1. Pas grand chose. Dans le 1, c'est Blackwater. Ah non, Blackwater, c'est là où ils ont fait le braquage. On n'a jamais de chance hein, avec les banques. Vraiment. Si, c'est vrai. Ouais. Quartier sur les cabayots. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, quoi. Vous voyez un peu la ville là. Si je tue un cheval, c'est le show. Pourquoi tu as beaucoup trop de chevaux? Ouais, il y en a trop. De la providencia. Il faut les buter. T'es. Ma sensibilité, elle est grave. Boutez qui? Les cabayos? Elle est grave forte, ma sensibilité. C'est dans quoi? C'est dans la caméra? On va passer la serpillère. Je crois qu'il y a vous un balai. En général. Je crois qu'il y en a un qui a essayé de récupérer un cabayo. Commande. Oui, merde. Elle avait souri. C'est qui? C'est Rodrigo. Ouais, Rodrigo il est au-dessus. C'est mieux en désactivant les musiques du jeu. Ça c'est la pas con c'est ça. Là, c'est juste dans le bois là. Ah. Oh, attends, quoi? Oh, pour te dire, vous avez où? Où Mengren? Ça t'es fait du bien! Mais la trompette, carrément! Oh, y'a un mec à poil ici, là! Oui, c'est parce moi, qu'il a, vous inquiétez pas! Il a une migraine, il a une migraine! Oh, bordel de merde! Cattleman! Ok! Ah oula, oula! Oh, oh, oh tranquilo, oh, tranquilo! Oh, toute la ville va commencer! Putain! Arrêtez, arrêtez, c'est bon. Pourquoi? C'est bon, il est mort. C'est bon, je crois, il est mort. Je crois, il est mort. Francisco. Il est trop grand, mon perso, c'est horrible. Ça doit être nul d'être grand hier. Ouais, c'est comme ça, non? T'es lâché. Aucun lien. Il est voilà pour toi. Fouille-le, mais c'est un PNJ, wesh. Ah ouais, ça y est, tout le monde est en train de se réveiller, poquito. D'ailleurs. Pourquoi tu cours? Parce que j'ai peur. Hein? Lève-toi, t'inquiète, il va rien se passer. Oui, j'entends des coups de feu, j'ai peur, monsieur. T'inquiète, lève pas les mains, tranquille. C'est pas ton nom. D'accord. Je m'appelle Roger. Vraiment, nom de merde. Ça fait longtemps que je fais cet affreux. Ça fait 4 jours que je travaille au salon. 4 jours? Oui. Ok, ok. Pourquoi tu m'as pas demandé mon nom à moi? Je t'intéresse pas? Ben. Je veux pas avoir de problème. Ah, mais. C'est quoi? Je t'intéresse pas? C'est quoi le problème? Non, non. Vous appelez comment, monsieur? Ah, c'est Bika. D'accord, enchanté. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis barman. Ah, t'as rien que là. T'es marié, t'as une meuf, t'as un mec, t'as. Non, non, j'ai personne. Ah non, moi non plus, j'ai personne. Alors, je suis venu ici avec père. T'es venu avec qui? Je suis venu avec mon père ici, qui s'appelle. Il s'appelle Gérard, il est shérif. Gérard, Roger, que des noms bizarres. Hein. Ok, ok, c'est quoi ton cocktail préféré? Moi, c'est le whisky. Ah ouais? Oui. Moi, c'est le jacket. D'accord, je connais pas. Tu connais pas le jacket? Non, non. Ici, on fait que du bon whisky. Ah ouais?
Oui. Ah, le jacket aussi, c'est... Tu vois, le jacket, c'est... C'est une sorte de bière qu'on prend que entre hommes, tu vois. D'accord. Bah, je bois de temps en temps de la bière, mais je connaissais pas cette marque-là. Ah ouais? Oui. Vas-y, tu me dis, un de ces quatre, on en boit une ensemble, tu vois. Je t'invite chez moi, Armadillo, tranquille. Y'a pas de souci, vous êtes le bienvenu ici au salon. Enfin, j'ai un lit double en plus. Bazar. T'as dit quoi? J'ai dit vous êtes les bienvenus au salon. Ah non, mais j'ai un lit double en plus, tu vois, comme ça on pourra faire connaissance. Un lit double, non, non, bah non, non, non. Comment ça, non, tu veux m'énerver là? Attendez, vous aimez les hommes? Non, je veux dire que les femmes m'intéressent pas, quoi, c'est. Ah oui. Tu préfères un lit simple? Ben, je préfère. Je préfère dormir tout seul dans un lit simple, oui. Ah ouais? Oui. Ok, ok. Ça m'intéresse. J'aime bien ta barbe. Tu fais comment? Ouais, je fais comment? Ben, je l'entretiens. Ouais, mais tu mets quoi comme produit? Moi, j'essaye, mais j'ai pas trouvé encore des bons produits, tu vois. Ben, j'ai un bon barbier qui est juste là, qui travaille dans le salon. Hein. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Edouard. Putain, mais vraiment que des noms de merde, hein. C'est incroyable. Tu te rappelles mon nom? Non. Donc je t'intéresse pas. Ben, on va dire que vous êtes pas de bon genre. J'ai compris. Aïe. Aïe. Connard. De toute façon, tu m'intéresses pas. C'est moi, j'ai tiré. C'est moi, il m'a énervé. C'est toi qui a tiré? Il m'a énervé, oh, c'est des potes, hein. Je lui ai proposé qu'on dorme ensemble dans le lit double, il voulait pas. Ah. Et du coup, tu lui as tiré des sous? Non, après, je lui ai demandé son nom. Il m'a dit, je m'appelle Edouard. Je lui ai dit, moi, c'est Pika. 5 minutes après, dans la discussion, je lui ai dit, c'est quoi mon prénom? Il a dit, je m'en rappelle pas. Bien sûr. Ça m'a blessé. Il faut pas que tu pleures. C'est normal. C'est comme ça. Ils nous aiment pas, ils sont racistes. Ça m'a blessé. C'est enfoiré, moi, je lui ai ouvert mon cœur. Pika, Dios mío, tú es pu un gos, pendejo. Va a falar que tú contigas. No, no, si sabías que me ha... Esta es finísima, no es como esa, señor, ¿eh? Tú no eres un enfant. Yo sé que no soy un enfant. Yo sé que no soy un enfant. Bien, alors lève la tête, alors dans ce cas-là, c'est pas parce qu'un gringo te dit qu'il ne t'aime pas ou qu'il ne connaît pas ton nom, hein. Ouais, mais je lui dis trois fois mon nom, quand même. Ça fait beaucoup, quand même. Ouais, ça fait ça. Ça fait beaucoup. Ça va aller, c'est normal, c'est la première fois, d'accord? D'accord, d'accord. Tu vois qu'on le boot? Il y a un gringo qui pisse sur le sol. Je suis encore jeune, moi, c'est ça le truc, tu vois. Ah, si, j'ai 16 ans. Tu n'as pas 16 ans, pendejo de mierda, de pica de mierda. Tu as 48 ans? Non, j'ai 16 ans, hermano. Tu as 48 ans, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai 16 ans, vraiment, genre. Y'a personne qui te croit que tu as 16 ans. T'as vu ta taille? Oui, mais bien sûr. Hein? Y'a 16 ans, bonhomme? Ouais, j'ai... Et alors, ça fait quoi si j'ai 16 ans? Je me cherche encore. Il se cherche encore. T'as fait un grand année, donc.